The Sacramento Kings select Bismack Biyombo. When I got drafted, I just looked up and said, wow, thanks God. This is amazing. Salut, je m'appelle Bismack Biyombo, je suis de la République démocratique du Congo, pivot de Charlotte Bobcats. Oh, Biz kind of helped Henderson find it. He drew his hand up in the air. En fait, ce qu'on a essayé un peu de faire, c'était d'échanger la façon de travailler l'été passé. Moi, avec mon entraîneur personnel et puis toute mon agence, on a essayé de voir qu'est-ce qu'il fallait changer afin que je puisse être un joueur complètement différent. He was always the first one in the gym, and the last one to leave. So, he's probably the hardest worker I've been around. And you can see it now. Now that he's in his third year, he just gets better every single day because he works harder. So, he's definitely a lot better than what he was from day one. You know, it shows when he plays. He knows his spots. He knows where to be now. He had an issue with catching the ball when he was younger, but he's gotten a lot better at that since he was a rookie, and he's doing really well. En fait, le jour du match, je me réveille le matin, je veux prendre mon petit déjeuner. Après, je veux faire la musculation. Et après, je fais ma sieste pour 1h, 1h30. Puis, je me réveille pour me préparer avant d'aller au match. Et puis, quand j'arrive au terrain, c'est juste question de me préparer physiquement. Vous voyez quelqu'un qui se donne corps et âme à 100% dans son travail. Il se réveille le matin, il va à l'entraînement, il fait le crossfit, il fait la musculation. Il est toujours le premier arrivé au terrain et le dernier à quitter. C'est vraiment quelqu'un, s'il continue comme ça, il aura une très longue carrière dans la NBA. Il fait l'honneur du Congo. His strongest asset is definitely his defense, his ability to move his feet and defend, but then also block shots and rebound the basketball. On his team, he's kind of a defensive anchor. He's a guy, he's in the back, he's talking, he's letting us know what's going on the top. Now anybody who's there is going to lane, makes like it's going to be a block shot. So, great. How you doing, y'all? My name's Dario McClint, I cut Bismack hair. I cut it for about a year and a half. I think he is an outstanding person, like to have fun, just a cool dude, Je m'appelle Biyombo François. J'ai mon fils aîné, Bismack Biyombo. Je manquais de mots vis-à-vis de mon fils.
Pour moi, c'était un peu un moment spécial parce que, en fait, depuis que j'ai quitté la maison, j'ai pas eu la chance d'avoir mes parents chez moi à la maison, quoi. Et juste à leur voir venir me visiter ici aux États-Unis, que c'est la première fois qu'ils sont venus aux États-Unis. Et puis voir comment je suis en train de travailler chaque jour. No one else can be what you have been to me. You will always be. J'ai vu le garçon, bien sûr. Je l'appelle garçon parce qu'il est encore petit, mais je vous jure que j'étais très ému et très content de le voir. Pourquoi? Parce que je ne m'y attendais pas qu'un jour je serai aux États-Unis. Je remercie infiniment le bon Dieu qui leur a protégés, leur a ramené ici et puis ils sont rentrés sains et saufs. Donc je remercie le bon Dieu pour ça et puis leur remercier aussi parce que vous savez ils m'ont donné la chance de grandir, ils m'ont donné la chance, ils m'ont fait aussi confiance en me laissant partir de la maison juste à la recherche de ma vie quoi. Je ne croyais pas qu'un jour nous serons aussi à l'États-Unis. Quand j'ai trouvé l'enfant, avec la grande maison, comme un grand responsable, vraiment, je manquais le monde. En fait, c'est pour moi une occasion spéciale quoi. De voir ma mère cuisiner dans ma cuisine et puis manger surtout la nourriture africaine quoi, que ça fait un bon moment que j'ai pas eu la chance de manger depuis que j'étais en Afrique. Pour moi aussi, c'est quelque chose de très important que mes frères et sœurs puissent voir comment je suis en train de travailler chaque jour. Parce que c'est aussi l'une de mes raisons qui me motive chaque jour. Parce que je ne veux pas être un mauvais exemple pour mes frères et sœurs. Ils sont encore jeunes, je suis l'aîné de la famille. Donc ils doivent apprendre de moi d'une bonne façon quoi. Et en plus de cela, je sais qu'ils sont en train de voir, ils savent la réalité. Je le pousse chaque jour, je leur demande à travailler dur chaque jour. For Kimba Walker, look at this block right here. Biz says, don't even try it on my watch. And that leads to a fast break. And then, no, that's just not the same play, folks. Et à ma fondation Bismack Biyombo, qu'on va essayer de travailler cet été dans des différentes villes. Juste aussi une façon de continuer à aider les jeunes. Quoi. J'aime bien mon pays, j'essaie d'aider en tout ce que je peux aider, afin que nous tous ensemble nous puissions aller de l'avant. Quoi. Je veux bien être part de la progression du pays. Quoi. Et ça me fait aussi plaisir d'être dans la situation où je suis, bien que je suis jeune, mais je veux être là pour la jeunesse aussi. Quoi. Donc, c'est pour moi un plaisir de faire ce que je fais et surtout de rentrer au pays pour aider les autres. Pourquoi pas avoir beaucoup de jeunes à l'extérieur du pays en train de faire ce que je fais et puis rentrer au pays, aider les autres. Cet été, on va être à Kinshasa, ça c'est sûr. Kinshasa, préparez-vous. Et puis, nous serons à Goma. Et après Goma, nous serons à Lubumbashi, si Dieu le veut. Merci infiniment à vous tous, spécialement au peuple congolais qui me supporte chaque fois. Deux fois je reçois des messages sur Twitter ou je sais pas, sur Facebook, tous ces genres des choses que les gens essayent de me joindre. Je vous remercie infiniment
et ainsi qu'à tous mes fans qui sont au pays ou à l'extérieur du pays, tout comme ici aux États-Unis, partout dans le monde, quoi. À tous ces gens qui font partie de ma carrière, merci bien à vous. Well, you can tell everybody, yeah, you can tell everybody, go ahead and tell everybody, I'm the man, I'm the man, I'm the man, yes I am, yes I am, yes I am, I'm the man, I'm the man, I'm the man. I believe every lie that I ever told, paid for every heart that I ever stole. I played my cards and I didn't fold, well it ain't that hard when you got sold. Somewhere I heard that life is a test. I've been through the worst, but I still give my best. God made my mold different from the rest. Then he broke.